Bienvenue sur Il faut bien vivre avec sa maladie psychique, programme reconnu dans le monde entier. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ce matin? Prêt pour une nouvelle journée? Oui, je suis prêt. La tendance du jour, chemise jean pour un look cool et décontracté. Prendre soin de soi, c'est important. Manger sainement permet d'avoir un bon équilibre de vie. C'est la clé. Hey, t'écoutes quoi? On m'a conseillé une application, est-ce que tu connais ce programme? Ah yes, effectivement, on me l'a proposé. D'accord, et t'en penses quoi en fait? Bah moi, personnellement, j'ai pas trop kiffé. Mais après, essaye et tu me diras ce que t'en penses. D'accord, ok. Bon, faut que je file, j'ai un rendez-vous, je te souhaite une bonne journée. À ce soir. À ce soir. Sois agréable avec ton voisinage, parce qu'avoir un environnement sain, c'est important. Bonjour madame, comment allez-vous? N'aie pas honte de ta maladie, sois transparent et fais-toi confiance. Elle fait partie de toi, mais tu n'es pas que ça. Là, c'était tout là-bas, c'était chez mes copines. Et du coup, voilà. Et toi alors? Raconte-moi plus sur toi. Bah écoute, tu sais, depuis que j'ai appris pour ma maladie psychique, je prends plus de temps pour moi et j'ai démarré le yoga, donc c'est cool. Ouais. Ne perds pas le contact avec tes proches. Ils sont un pilier solide à ton environnement. Je t'attendais pas de si tôt. T'es sûr que ça va? Ouais, je t'assure que oui. Non, parce que j'en ai pleuré toute la nuit et maman est très inquiète. Ça nous a tous bouleversés ce qui t'arrive. Ouais, je sais. N'oublie pas tes médicaments. Le traitement fait partie du processus. Tenez, du coup j'ai tout récupéré. Et celui-ci, d'accord. Vous savez comment le prendre, hein? Oui. Parce que c'est pas des tic-tac, hein. D'accord, ok. Tenez. Il manque juste le Lobzapac. Ah, effectivement, bah je recommanderai cet après-midi, parce que vous savez, à chaque fois, vous nous dévalisez, hein. Personne suivante, s'il vous plaît. D'accord, ok. Au revoir, madame. S'il vous plaît. Collabore avec le corps soignant. Ils sont là pour t'aider. Bon, il a bien pris les médicaments? Allez, on va vérifier le pilulier et voir comment il se débrouille, hein. Ah non, mais là, ça va pas du tout, là, Nicolas, il en manque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, je suis désolé, mais en fait, le pharmacien avait plus de stock. J'y retourne tout à l'heure. Ah, mais t'as. On me la fait pas, celle-là. Hein. On me la fait pas! Après le contexte confusionnel de la forme subaiguë d'il y a 4 ans, les actes auto-hétéro-agressifs majeurs, recrudescence des troubles liés à la décompensation, vous comprendrez bien l'importance de l'observance, même si cela entraîne chez vous une légère bradypsychie, catalepsie. Ils sont là pour t'aider à comprendre. Ça m'embêterait d'avoir à vous annoncer une hospitalisation, une nouvelle hospitalisation. C'est clair? Des questions? Non, tout est très clair, docteur. Mon petit Gilbert, j'ai été clair, n'est-ce pas? Oui, parfaitement clair, docteur. Bonjour madame, vous avez passé une bonne journée? Hey, alors cette journée? Ah bah franchement pas ouf. Hein. Je peux te poser une question. Tu fais comment toi pour bien vivre avec ta maladie psychique? Bien vivre? Bah écoute, déjà je la vis, et après pour le reste, bah on se débrouille.